وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد serviteurs d'Allah, Allah nous a créés pour son adoration, pour que l'on lui voue un culte exclusif sans lui donner d'associés. Et il a fait l'objectif de notre existence et de notre vie de l'adorer uniquement et de s'approcher de lui subhanahu wa ta'ala par les différentes adorations qu'il a légiférées. Parmi les adorations qu'Allah ta'ala a légiférées, il a fait que certaines adorations ont de plus haut degré et sont plus importantes que d'autres. Et l'adoration du corps la plus importante qu'Allah a légiférée, c'est la salat. La salat, la prière. C'est le deuxième pilier de l'islam. C'est ce qui vient juste après les deux témoignages de foi. La salat, elle a une place spéciale en islam que les autres adorations n'ont pas. Et on va en citer quelques spécificités et quelques vertus. Et on va en voir à travers ce prêche l'importance ou une partie de l'importance de la salat. Premièrement, la salat, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme le pilier de la religion. Dans le hadith sahih qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je t'informe quelle est la chose la plus importante et son pilier et sa cime, son plus haut degré? Mu'ad a dit, bien sûr, au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, la tête est la plus importante des choses et l'islam. Son pilier est la salat et son plus haut degré est le combat au service d'Allah. La salat, comme on a dit, elle a été citée juste après les deux témoignages de foi pour qu'elle soit une preuve de ce qu'il y a dans le cœur comme foi. Mais même, elle fait partie de la foi car dans notre croyance de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, que les actes font partie de la foi. Et la salat est un des plus importants de ces actes apparents. Elle rentre dans le nom de la foi. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, et Allah n'allait pas vous faire perdre votre foi. Et les Mufassirin, ils ont expliqué ici, ils parlent de la salat. Allah n'allait pas vous faire perdre votre salat. Allah a appelé la salat el-Iman. Votre foi, la foi. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat. Le fait de donner la zakat. Le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan rapporté par le Bukhari et Muslim. Accomplir la salat, cela veut dire de l'accomplir correctement. Avec les paroles et les actes qui sont demandés, avec la présence du cœur, avec les conditions de validité de la salat, avec les piliers et les obligations de la salat, dans ces moments déterminés, car Allah a dit, certes, la salat est prescrite pour les croyants dans des moments déterminés. Et il a mis en garde, subhanahu wa ta'ala, à celui qui néglige une de ses obligations. On ne parle pas à celui qui la délaisse, car on va en parler, celui qui la délaisse. Il a mis en garde seulement celui qui néglige, qui par exemple ne fait pas ses piliers comme il faut, ou ne fait pas les ablutions comme il faut, ou bien ne fait pas salat à l'heure qu'il faut, ou il la retarde sans raison valable. Alors Allah a dit, « Fawailul lil musallin. » Malheur aux prieurs. Comment malheur aux prieurs, subhanallah, ceux qui négligent leur salat. Et d'ailleurs,
Allah Ta'ala a mis en garde en disant qu'il va venir des générations après eux. Il leur a succédé après une succession qui ont négligé la salat et qui ont suivi leur passion. Alors ils trouveront la perdition. Ça, c'est celui qui la néglige. C'est-à-dire, il l'a fait, mais il ne l'a fait pas comme il faut. C'est pas celui qui l'a délaissé, ça. Car celui qui l'a délaissé, vous en connaissez la mise en garde terrible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre nous et eux, il y a la salat. Celui qui l'a délaissé a bel et bien mécru. Et dans un autre hadith, entre la personne et le shirk et le kufr, il y a la salat. Celui qui la délaisse a bel et bien mécru. Bien que les savants ont divergé sur ce fait, sur le fait de la délaisser avec fainéantise, mais on sait très bien que celui qui délaisse salat, il n'est où il est tombé dans le kufr, où il est plus très loin du kufr. Il reste plus loin, entre lui et le kufr, il ne reste plus grand chose. La salat, par rapport aux autres adorations, elle a une place importante car Jibril n'est pas descendu sur terre pour transmettre d'Allah son obligation. Mais il est venu chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la terre pour le faire voyager vers Allah au ciel. Et c'est Allah qui l'a rendu obligatoire au ciel, au-dessus des sept cieux. Il l'a rendu obligatoire en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Connaissez-vous un ordre ou une adoration dans la religion qui a été ordonnée de cette manière-là? Cela fait donc comprendre comment Allah aime la salat. Et comment Allah lui donne de l'importance. Et comment Allah l'a différencié et lui a donné un plus haut degré que toutes les autres adorations. La salat, ça paraît quelque chose de simple à dire. Mais combien de gens qui se prétendent de l'islam ou de musulmans faibles la négligent ou la délaissent? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur son lit de mort, et il pense encore à sa communauté, et il répète « As-salat, 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 la salat, la salat !» Il le répétait tellement, il a dit « La salat est ce que vous avez possédé d'une voix légale. » « La salat, la salat, la salat !» Trois fois. Et il répétait encore, jusqu'à que les compagnons que rapportaient le hadith, ils disent, il le répétait jusqu'à que sa bouche, il n'ait plus de force pour le dire avec sa langue, il le disait avec sa poitrine, jusqu'à qu'il soit mort. Sallallahu alayhi wa sallam. La salat. Comme vous le savez, quand Allah Ta'ala a rendu obligatoire la salat, au début, il a rendu obligatoire 50 salat par jour. 50. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé de lui demander de l'allègement jusqu'à ce qu'il ait rendu 5 salats obligatoires par jour, mais leur récompense, elle reste au nombre de 50. La salat est une cause que les péchés soient effacés. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Que pensez-vous d'une personne qui a devant chez lui un fleuve dans lequel il se lave 5 fois par jour? Est-ce qu'il va lui rester de la saleté sur lui ?» Ils ont dit non, aucune saleté ne restera sur lui. Il a dit, voici l'exemple des 5 salats par lesquels Allah efface les fautes. Une personne, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue après la salat. Il lui a dit au messager d'Allah, j'ai fait un péché, j'ai embrassé une femme. Il a dit, tu as prié avec nous? Il a dit oui, il a dit Allah t'a pardonné ce péché. Car c'était un petit péché. Si c'est un grand péché, il faut une tawba, un repentir. Les 5 salats et du ramadan au ramadan et de la umra à la umra, ça efface tous les petits péchés. Mais les grands péchés, il faut un repentir sincère. Donc regardez, la salat, comment c'est un bien pour le croyant. Imaginez-vous celui qui a délaissé salat ou qui la néglige.
Il va arriver le jour du jugement dernier avec une balance remplie de péchés, rien pour les effacer, et le plus grand des péchés, délaisser la salat. D'ailleurs, les savants ont ramené l'unanimité que délaisser la salat, c'est pire que de voler et de forniquer ou de tuer en islam. La salat, c'est la dernière chose qu'une personne perd de l'islam. S'il a perdu la salat, qu'est-ce qui lui reste? Dans les époques passées, même le voleur musulman, il fait salat. Le pervers, il fait salat. Il peut avoir tous les péchés, mais la salat, il ne la délaisse pas. Et aujourd'hui, quelqu'un te dit, moi j'ai un cœur bon. Il n'est même pas capable de se prosterner dans la journée pour Allah. Il dit, moi j'ai un bon cœur. Il s'est jugé lui-même, j'ai un bon cœur. Allahu Akbar. Il a cru quoi? Comme les mécréants. Être bon, c'est juste être gentil avec ses voisins, bien travailler. Ça, c'est pas notre religion à nous. Notre religion à nous, c'est la relation avec Allah et la relation avec les gens. C'est pas seulement la relation avec les gens. Allah, il t'a pas créé pour être gentil seulement avec les gens. Allah t'a créé pour l'adorer. Parmi l'adoration, la gentillesse avec les gens. Mais ça vient après la salat, bien après. C'est pas la première chose en islam. Ça fait partie de l'islam, c'est important. C'est le comportement du musulman. Mais la personne, elle met ça au niveau de la salat, elle ne connaît rien, c'est un ignorant. Pour finir, sachez, serviteurs d'Allah, que le premier acte sur lequel la personne sera questionnée le jour du jugement dernier parmi les œuvres, c'est la salat. Dans le hadith sahih, rapporté par l'imam al-Nasa'i et Tirmidhi, Abu Huraira radiallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné et jugé le jour du jugement dernier parmi ses œuvres est la salat. Si elle est correcte, alors il aura réussi et il sera parmi les vainqueurs. Mais si elle est corrompue, alors il fait partie des perdants et il sera dans la perdition. Et s'il y a un manquement dans une partie des obligations de la salat, alors le Seigneur subhanahu wa ta'ala dira, regardez si mon serviteur a des œuvres surérogatoires. Est-ce qu'il a fait des salats en plus? Des salats surérogatoires, nafila, tatawwa. Alors complétez le manque qu'il y a dans les obligations par ces prières surérogatoires. Et après, toutes les œuvres seront jugées de la même manière. C'est-à-dire le jeûne, s'il y a un manque dedans, on va regarder dans le jeûne surérogatoire pour combler. La zakat, s'il y a un manque dedans, on va regarder les sadaqat surérogatoires pour combler. Le hajj, s'il y a un manque dedans, on va regarder le hajj surérogatoire, les umrah surérogatoires pour combler. Chaque obligation, le manque qu'il y a dedans, il sera comblé par les œuvres surérogatoires, supplémentaires. Serviteur d'Allah, sommes-nous en sécurité d'avoir fait toutes nos obligations, notre salat, comme il se doit? Est-ce que déjà la salat, on l'a fait comme il se doit? À son heure, avec concentration, avec ses piliers, avec ses obligations, en groupe pour les hommes, pour celui qui n'est pas loin de la mosquée, même s'il est loin, il le fait en groupe là où il est. Et après cela, il faut des prières surérogatoires. Sans aucun doute, combien de manquements on a? Combien de salat on fait? Notre tête, notre esprit, il est ailleurs. Combien de salat on fait? Nos piliers, etc., ils ne sont pas comme il faut. Est-ce qu'on est sûr qu'Allah il a accepté déjà une salat de ce qu'on a fait? Alors il faut faire, en plus de l'obligation et de préserver l'obligation et de la faire comme il se doit, à son heure, en ces moments, il faut faire beaucoup d'œuvres surérogatoires. Les 12 rak'at que l'on fait par jour, rawatib, 4 rak'at avant Dhuhr, 2 rak'at après Dhuhr, 2 rak'at après le Maghrib, 2 rak'at après l'Isha, 2 rak'at avant le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'était pas voyageur, il les faisait constamment. Le witr, le soir, les prières de nuit, les prières du matin, tout cela va venir, yawm al-qiyamah, combler le manque qu'il y a dans l'obligation et augmenter nos hasanats et augmenter nos degrés. Alors, serviteurs d'Allah, craignez Allah,
Et sachez que la salat est le premier acte sur lequel vous rendrez des comptes le jour du jugement dernier. Alors donnez-y de l'importance. Faites-la comme il se doit, à ses heures, avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations, avec concentration. Et augmentez le nombre de vos œuvres surérogatoires et de vos salats surérogatoires pour retrouver cela demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire partie des vainqueurs de ceux qui ont gagné le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain et pur. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب وارضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.